Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, un peu comme un petit bonus pour la dernière quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30 novembre, où on va aller voir, mais qu'est-ce qui pourrait se manifester dans votre vie pour vous durant cette période, tout simplement. Malgré tout, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif, même s'il s'adresse à tous les poissons. Donc, ayez du discernement, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle à l'intérieur de vous, et laissez tout simplement le reste derrière. Mais c'est certain qu'il y a des messages qui vous concernent. Donc, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette quinzaine et qui va nous donner aussi quand même un peu le temps de ce tirage. Oh, vous avez le diable. Soit qu'il nous parle de passion, de tentation, il peut nous parler aussi au niveau financier, qu'il y a une belle progression possible au niveau de vos finances, parce que le diable, sachez-le, dans le domaine financier, il est de très bon augure. Ou encore, ben ça c'est certainement possible pour chacun d'entre vous, ben qu'il y a encore des choses qui vous empêchent d'avancer vers ce vers quoi vous avez envie d'avancer. Ça peut être un tas de choses, ça peut être autant vos pensées négatives, d'avoir comme un schéma d'auto-sabotage, hein, le petit diable, oui, qui vient s'asseoir sur votre épaule pour vous chuchoter à votre oreille que, ben, tu y arriveras pas, ça a jamais fonctionné jusqu'à présent, tu manques de connaissances, tu manques d'informations, t'as jamais fait ça, t'as pas d'expérience. Ça peut être vos croyances limitantes, ça peut être une relation toxique, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ben, qui vous tire vers le bas, qui, ça peut être juste en vous racontant ces histoires, ben, un peu désagréables, ces aventures, pas trop valeureuses, hein, quelqu'un qui est sur le bord quasiment, on dirait tout le temps, de la dépression, qui est négative, ben, cette personne-là, elle vous tire, elle est vampire, en hein, quelque part, elle vampirise vos énergies, elle vous vide de vos énergies, puis ben, ça fait qu'ensuite, ben, vous avez plus d'énergie non plus, vous êtes complètement démotivé pour faire ce que vous avez envie de faire, ou en tout cas, même pour le reste de votre soirée, exemple, ça peut être ça. Ça peut être pour certains des mauvaises habitudes, des tendances désagréables, autant pour vous-même, hein, dans le fond, que pour les autres. Tout ça, tout ce qui nous enchevêtre, tout ce qu'on n'ose pas laisser partir ou de prendre conscience que c'est ces choses-là qui nous empêchent d'avancer. Donc, ben là, je pense que je vous ai bien défini cette carte du diable. Donc, on va, dans un premier temps, aller avec un tirage en croix avec le petit Lenormand. Waouh, on vous parle de la baguette magique. Il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous qui vous aide dans une situation, qui vous aide à avancer. Vous pourriez trouver de par vous-même une solution, une résolution à un problème, mais c'est magique. Donc, ça se fait presque dans l'instantané. C'est relativement rapide, mais il y a quelque chose qui vous aide, qui arrive vers vous, peut-être côté cœur ou côté de quelque chose qui vous passionne, comme ça peut être au niveau amoureux, émotionnel, affectif. Ça peut être aussi en amitié. Le cœur n'est pas toujours juste dans l'amour. Voyez-vous, justement, ici, on a notre fouet qui parle d'un schéma répétitif, justement, mais ça peut parler aussi qu'il y a peut-être eu un conflit. Il y a peut-être eu, oui, un conflit, un désaccord, une querelle par rapport à une situation ou sur un sujet, mais ça peut être aussi la passion, hein, mais une passion quand même assez. Déjà qu'on a notre diable qui nous parle de tension ici, on a quand même la carte du cœur qui peut parler des relations amoureuses. Je vois ça ici parce qu'elle peut avoir une notion de
de sensualité, de sexualité très débridée. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, appliquez à votre situation. On va aller voir de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler à ce moment-ci. Hein, le fouet, vous comprenez, quand je parle au niveau amoureux, sexuel, vous comprenez tout de suite qu'est-ce que je veux dire. Donc, des jeux quand même assez intenses, voyez-vous, d'autant plus qu'il y a de la manipulation. Donc, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous aider pour faire face à cette situation. Peut-être que vous vous en rendez pas compte. Hein, si, par exemple, c'est une relation toxique, malheureusement, on s'en rend pas toujours compte dès le départ. Ça nous prend un certain laps de temps. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous éclairer pour vous aider à vous en sortir parce qu'on dirait que vous êtes manipulé. Oui, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, qui va venir vous éclairer sur ce que vous vivez avec cette lanterne-là. Les choses vont devenir claires et à partir de là, probablement que vous allez être capable de prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire, ben, soit de poursuivre malgré tout dans cette relation-là ou de trouver le moyen pour vous en défaire. Donc, c'est une forme, hein, la baguette magique, c'est vous aussi qui pouvez prendre le pouvoir de vous défaire de cette relation-là. Ça peut se faire sous forme de miracle, comme je vous disais, assez rapidement, ou c'est quelqu'un qui vous apporte une aide précieuse, qui va vraiment vous éclairer, qui va vous apporter une clarté, une sorte de révélation pour vous rendre compte de ce qui se joue vraiment dans votre vie. D'autant plus que le fouet peut nous parler aussi de schémas répétitifs. Peut-être est-ce que vous vous retrouvez accidentellement, sans le vouloir, c'est certain, mais toujours dans la même sorte de genre de relation, peu importe avec qui vous êtes. Et au dos du deck, on a les chemins. Donc vraiment, vous êtes devant l'idée de prendre une décision, de faire un choix par rapport à cette situation que vous vivez. J'ose croire au niveau amoureux, mais ça peut être au niveau affectif, hein? Ça peut être de toujours de tomber sur des amis qui ne vous veulent pas que du bien et qui vous entraînent dans le fond, qui vous manipulent et qui tentent de vous entraîner dans toutes sortes d'activités. Je vais prendre une petite gorgée avant de poursuivre, si vous me le permettez. Ça fait un réel bien. Donc, on va poursuivre. On dirait les poissons qu'on voulait vous parler ici par rapport à votre vie affective, que ce soit amoureux. Ça peut être une passion aussi qui vous ronge, hein, qui vous, c'est drôle à dire, hein, mais une passion que si vous y mettez beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais peut-être que le choix à faire, c'est peut-être pas de l'abandonner totalement, mais du moins de pas vous laisser manipuler par votre passion, hein, parce que oui, ça vous vient du cœur bien souvent, mais ça peut vous brimer vers autre chose. Ça vous donne pas de temps dans autre chose, puisque le cœur peut être la passion, ce qui nous fait envie, nos désirs, nos tentations. Allons voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler à ce moment-ci. On vous parle du 6 d'épée, le 6 d'épée qui parle de quitter quelque chose pour aller, quelque chose de difficile, quelque chose d'ombrageux, où il y a peut-être eu de la querelle, des déceptions, pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui nous apporte du soulagement. Vous êtes un peu comme en transition. C'est possiblement un voyage intérieur, mais ça peut être aussi un voyage physique, qu'on doit quitter un endroit, quelqu'un, pour se diriger ailleurs. C'est un soulagement, dans le fond, après une période qui a été angoissante, qui vous a stressé, de conflits mentaux.
Ben, peut-être de querelles, de conflits mentaux, ça peut être avec vous-même, mais ça peut être aussi les querelles qu'on avait déjà dès le départ avec l'oracle le Normand. Mais là, vous êtes maintenant prêt en route vers une situation ou un état d'esprit qui va être beaucoup plus stable, qui va permettre de laisser cette période qui était agitée. Donc, d'accepter, hein, les changements qui arrivent à vous, puis avoir confiance en l'avenir, en ce que l'avenir vous réserve, d'autant plus que vous avez l'étoile derrière pour vous guider, l'étoile qui parle beaucoup de foi, qui parle d'espoir, qui parle de la promesse de jours meilleurs. Mais oui, vous vous en allez vers quelque chose de plus lumineux. Ça peut être un souhait aussi qui est réalisé à ce moment-ci. De suivre aussi votre intuition. Et ça va vous apporter un succès, de quitter ce qui doit être quitté. Ça va peut-être vous apporter un peu plus de tâches, un peu plus de responsabilités, mais vous avez la capacité de jongler avec toutes ces tâches, avec toutes ces responsabilités-là qui vont venir à vous. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, donc appliquer dans le bon domaine. Ça va être à vous de faire cette part de travail. Mais le 2 de denier nous parle, ben oui, qu'on est à la recherche, hein, de plus de stabilité, d'équilibre. Et c'est probablement parce que vous l'avez atteint en quittant ce qui devait être quitté, et que ça vous rapporte un succès, une réalisation de quelque chose dont vous avez su vous adapter finalement à la situation, et c'est ça qui vous a permis d'avancer. Peut-être qu'éventuellement, vous devrez vous délester, ben, de certaines tâches, de certaines responsabilités du 2 de denier, hein, parce que oui, là, vous avez su jongler tout ça. J'ose espérer que vous avez délégué certaines responsabilités ou certaines tâches. Ici, on a le 5 d'épée, hein, qui nous ramène un peu à la querelle, au conflit mental. Peut-être que des fois, on se bat juste pour avoir raison, pour avoir le dernier mot. C'est comme si on se battait pour gagner, mais je sens que vous avez réalisé que vous étiez dans une impasse, qu'il n'y avait rien à faire dans cette dispute-là. Vous ne battiez peut-être pas vous pour gagner, mais peut-être que l'autre, oui. Puis j'ai le sentiment que ici, votre succès, votre réussite, c'est d'avoir décidé de laisser ça, de vous être rendu compte que finalement, ça vous apportait rien de bon, que vous étiez en train de vous blesser plus, de laisser plus de plumes qu'autre chose. Parce qu'avec la reine de denier, qui est une femme pragmatique, qui s'encombre pas de superficiel, qui va à l'essentiel, rapide et efficace, c'est ce qu'elle est pour moi, la reine de denier. Pour bien rester dans un certain confort, ce qui n'est pas du tout négatif, se sentir en sécurité. C'est une femme qui est sensible, c'est une femme qui prend soin des gens autour d'elle. Donc, peut-être est-ce que vous avez réalisé que vous deviez laisser cette situation, bien, pour prendre soin de vous en premier, pour être dans la forme optimale, pour prendre soin aussi des gens autour de vous. C'est un peu la mère nourricière, la reine de denier. Donc, elle nous parle d'abondance à l'intérieur de ça. C'est une personne qui est intuitive aussi, la reine de denier. Donc, on vous parle de faire appel à votre intuition, d'être à l'écoute de votre propre sagesse intérieure, tout en restant ancrée dans le monde matériel, dans le monde physique dans lequel on vit, évidemment. On va aller voir avec notre cœur, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et tout ça peut se faire un peu comme par magie. Alors, sur notre cœur, qu'est-ce qu'on met? On met un 6 de coupe. Ben, ça me fait penser que ça peut vraiment être un schéma répétitif. Le 6 de coupe parle du passé, parle aussi de l'enfant intérieur, parle du don de soi, de la générosité, hein?
comme le personnage ici qui offre un beau bouquet de fleurs à la personne, à la jeune fille, ces deux gamins, dans le fond, c'est souvent représenté par des enfants pour nous parler de aussi prendre soin de notre enfant intérieur. Peut-être est-ce que vous avez besoin de consoler un peu votre enfant intérieur, d'en prendre soin ou de faire des activités de loisirs que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Ça peut être un cadeau du ciel aussi qu'on vous envoie avec ce beau 6 de coupe. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation. Ça peut être aussi pour d'autres que quelqu'un du passé qui revient, qui vient refaire surface. Ça peut être une vieille amitié, un amour d'enfance, ou ça peut être même un lieu, un endroit que vous aviez grand plaisir à visiter. Ça peut être comme aller voir votre grand-mère, je ne sais pas pourquoi que c'est ce qui me vient, mais votre grand-mère à la campagne, puis que quand vous vous retrouviez à la campagne, où est-ce que votre grand-mère habitait, ben ça vous faisait du bien. En quelque sorte, ça vous remplissait de bonheur, de joie. Et comme je vous disais, ça peut être un cadeau ou ça peut être une faveur qui va vous être offerte et qui va vous venir vous impacter émotionnellement. C'est peut-être ça aussi notre baguette magique. On va continuer, mais on voit que de toute façon, les choses s'éclairent pour vous. Il y a une compréhension nouvelle qui va arriver grâce à cette baguette magique qui peut représenter quelqu'un qui vous apporte une aide, qui vient vous éclairer de ses connaissances, de son expérience, pourquoi pas. Mais ça peut être vous, par miracle, que vous faites, vous découvrez quelque chose dans votre fort intérieur, quelque chose qui vous... Pardon. Qui vous éclaire et qui vous fait comprendre mieux la situation que vous vivez en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les poissons, venir éclaircir tout ça, accompagner notre cœur et notre beau 6 de coupe. On a le valet d'épée. Qui est prêt à apprendre, qui est prêt à s'ouvrir à de nouvelles idées, parce qu'il y a des idées qui émergent, parce qu'il est curieux, et que probablement que la lanterne avec la baguette magique va vous faire voir une vérité que vous ne voyez peut-être pas à ce moment-ci, mais avec beaucoup d'objectivité. Vous allez être capable de communiquer aussi clairement ce que vous avez envie de dire, parce que là, vous avez un esprit vif et vous voyez clairement enfin la vérité de ce qui se joue, tout en restant objectif, objective, quand les situations sont plus délicates, de ne pas laisser non plus vos émotions voiler votre jugement. Parce que là, vous êtes vraiment prêt, en plus, à affronter les défis que la vie pourrait vous envoyer ou ce défi avec une grande confiance en vous, à chercher dans le fond des réponses, à être direct dans votre communication claire, avec beaucoup de clarté. Oui, d'autant plus que vous avez le valet d'épée et vous avez le cavalier d'épée. Et à partir de là, bien, vous allez être en quête de cette vérité-là, de poursuivre votre propre vérité, d'avancer rapidement pour résoudre ce qui doit être. Et le cavalier d'épée aussi, hein, il est comme le valet, il a des idées claires, il est prêt à foncer, il se bat pour la vérité, pour l'intégrité, pour la justesse des choses. Donc, vous allez être prête à avancer de façon claire, en communiquant clairement ce que vous voulez faire passer comme message. Ben oui, ça va être concret. Ça va apporter quelque chose de plus concret, de plus
compréhensif, de plus tangible. Ça peut vous amener un nouveau départ, hein, avec l'as de denier. Les as, vous savez maintenant, c'est tout le temps le début de quelque chose qui va demander, bien sûr, par la suite à être entretenu. Donc, c'est une opportunité, c'est peut-être une nouvelle entreprise, ça peut être encore un cadeau. Hein, on vous parle aussi de cadeau, mais un cadeau plus au niveau matériel en ce qui concerne l'as de denier. Ça nous parle de prospérité. C'est un peu comme je me plais à dire, la première pierre qu'on installerait pour créer des fondations. Oui, parce que là, avec le 8 de coupe, vous étiez dans quelque chose de satisfaisant, mais vous vous êtes rendu compte que ce ne l'est plus. Pendant un certain temps, il y a une situation qui était satisfaisante, qui vous comblait, mais là, vous vous rendez compte que ce n'est plus le cas et vous avez décidé de tourner le dos à cette situation, à cet événement ou à cette personne pour vous en aller encore vers quelque chose de plus lumineux. Vraiment, votre décision est prise, hein? De quitter, de vous en aller vers quelque chose de mieux. Oui, de vous expandre avec le 3 de bâton, d'agrandir ce que vous avez envie d'agrandir. Vous attendez la meilleure, la bonne opportunité pour le faire parce que là, vous avez compris, hein, un peu comme avec le 5 d'épée qui était préférable pour vous de lâcher. Vous êtes battu pendant un certain temps. Mais heureusement, le 10 d'épée nous annonce que vraiment, quelque chose qui vous insécurisait, dans lequel vous n'étiez plus bien, ben, c'est derrière vous. Le pire, en tout cas, est derrière vous. Même avec le 6 d'épée, le pire est derrière vous. Et le 10 d'épée vient de nous le confirmer. Donc, vous allez pouvoir vous expandre. Vous dirigez enfin vers ce que vous voulez vous diriger. Encore une fois, appliquez dans le domaine de vie que ça fait du sens pour vous, que ce soit au niveau affectif, professionnel, parce que ça peut parler d'une passion, ça peut, mettez-le où ça se doit. Oui, vous quittez, vous laissez derrière vous vos pensées limitantes, négatives. Un peu comme avec le diable, hein? Tout ce qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, parce que c'est vous-même qui avez mis ces entraves-là. On s'en rend pas toujours compte, c'est inconsciemment, mais je sens que vous allez retrouver votre courage pour quitter ce qui doit être quitté. Oui, avec le cavalier de coupe, vous avez vraiment décidé de prendre un chemin qui va répondre plus à vos envies, à vos désirs, avec cette coupe, hein, pour remplir votre coupe, pour avancer, oui, sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte du mieux. Ça peut être des propositions aussi qui viennent vers vous, d'autant plus que vous avez le 8 de bâton derrière, qui est une carte de rapidité, qui nous parle de synchronicité, d'opportunité, que des choses qui viennent à nous, que s'il y avait des choses qui étaient stagnantes, qui avançaient plus, ben là, il va y avoir comme un regain. Les choses vont se remettre à bouger, à avancer. Il y a du mouvement rapide, ça apporte un progrès, ça peut être des nouvelles inattendues, ça peut être un changement soudain que vous faites, mais probablement en vous écoutant davantage de vos besoins, de vos envies. Hein, c'est comme un élan qui vous pousse, donc c'est une accélération dans les événements, dans la situation de votre vie. Et ça peut être l'arrivée aussi, hein, de nouvelles, mais c'est des nouvelles positives, ça peut parler de voyage. Pour certains, parce que d'autant plus qu'on avait le 6 d'épée, le 6 d'épée qui nous parle d'un voyage généralement intérieur pour aller vers quelque chose de plus lumineux, mais ça peut être aussi un voyage physique, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage en avion. Généralement, le 8 de bâton, c'est le voyage en avion, c'est un voyage qu'on fait et qu'on se rend à destination rapidement. Donc, attendez-vous aussi à des messages, à des discussions ou à des échanges qui vont être fructueux, qui vont être rapides, qui vont être efficaces, un peu comme notre fameuse reine de Denis. Ben, wow, quand même, hein, on est parti sur quelque chose
Je sens de difficile, qui est difficile pour vous à vivre à ce moment-ci, mais pour lequel on peut avoir un très bon résultat. Déjà, avec le petit Lenormand, on a que des choses, c'est clair. On va aller voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous apporte comme carte de conclusion. Juste ici, magnifique, le 2 de coupe, hein, qui nous parle, waouh, de partenariat, d'union, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouveau partenaire d'affaires, mais ça nous, c'est sûr que ça vient nous chercher émotionnellement parlant parce qu'on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Il peut avoir une attraction mutuelle. Exemple, si c'est au niveau professionnel, ben ça peut être des dons, des talents de chacun, puis qu'on comprend que les deux jumelés ensemble, ça va faire une équipe de feu. Mais au niveau sentimental, ben là, c'est sûr, il y a une attraction mutuelle, bien souvent au départ, qui est physique. Donc, ça peut être un nouvel amour, vraiment une connexion émotionnelle qui apporte de l'harmonie, de la bonne entente. Ou cette personne-là est sur le point d'entrer dans votre vie, ou pour certains, vous êtes déjà avec. Mais j'en doute fort à cause ici du fouet et du diable. Parce que j'ai le sentiment que pour que la baguette magique se soit présentée et le cœur, il y a quelque chose à comprendre, à résoudre. C'était quoi déjà la carte de... Ah, le pantin, ouais, ben c'est ça. Il y a aussi de la manipulation dans cette relation-là. Ben, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Puis c'est pour ça qu'on vous parle de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Puis on avait aussi même le 8 de coupe qui nous parle que ben une situation, peut-être une relation qui nous a satisfait jusqu'à présent, mais là c'est plus le cas, donc on doit s'en aller vers quelque chose d'autre. Pour certains, ça peut parler de se réconcilier, on l'avait déjà aussi avec le 6 de coupe, c'est dépendamment de votre relation, hein. Ça peut être plus moins intense que ce que je vous ai énuméré. Mais ça peut être un schéma répétitif. Mais pour créer une réconciliation, une bonne entente, évidemment, il va avoir besoin d'une discussion, puis que la personne en face de vous soit ouverte à cette discussion-là tout en étant honnête. De permettre, peut-être même en étant vulnérable pour certains, pour permettre une connexion entre les deux. Ça peut être aussi le 2 de coupe, le renouvellement d'une relation existante, bien parce qu'on s'est réconcilié, on s'est parlé. Si c'était une relation, mais ça peut être, comme je vous dis, appliqué dans votre domaine. Ça peut être en amitié, ça peut être au niveau familial, ça peut être même au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être une réconciliation avec un partenaire de travail, par exemple, où il y avait de la difficulté à travailler en équipe parce qu'on était constamment en discorde, on ne voyait pas les choses de la même façon. On va aller voir pour vous, les poissons, quelles cartes, conseils est-ce qu'on veut vous apporter, peut-être pour vous redonner un peu un regain. Ah, ça va vous permettre de retrouver votre chemin, hein, de vous en aller vers quelque chose de plus lumineux. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez réellement, hein, ce qui est important pour vous, comme le cavalier de coupe qui avance vers ses désirs, vers ses envies. Mais c'est un succès de quitter ce que vous devez quitter pour retrouver plus d'harmonie, plus d'équilibre. On avait le 2 de denier. Oui, vous allez jongler avec beaucoup de choses, mais pour ramener plus d'équilibre et
pour pouvoir vous expandre, en chassant, ben, dans le fond, tout ce qui vous brime, tout ce qui vous enchevêtre. Écoutez votre intuition, écoutez aussi vos envies réelles à l'intérieur de vous pour vous ramener sur votre droit chemin, peu importe le domaine de vie. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes. En tout cas, vous êtes prévenus, donc vous allez pouvoir vous réajuster et modeler plus facilement les choses pour atteindre vos objectifs. Et moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, ben de par vos partages, de par vos likes, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, ce qui m'est le plus agréable, bien évidemment, vos commentaires, j'ai vraiment grand plaisir à vous lire. Ça me permet même de m'améliorer de par vos commentaires, de me parler de ce qui vous a touché le plus, de ce qui fait le plus de sens pour vous dans cette vidéo ou qu'est-ce que vous aimeriez aussi voir se réaliser. D'autant plus que, souvenez-vous qu'on a eu aussi l'étoile qui vous parle de garder la foi en vous-même et de vous laisser guider aussi par l'univers, que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Laissez une chance à l'univers de vous aider. Donc, merci pour tout ça. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.